This is a great joy for me to be here. C'est une très grande joie pour moi que d'être ici avec vous aujourd'hui. I'm so proud of Pastor Christian and Justine. Je suis très fier du pasteur Christian et de son épouse Justine. What great leaders they are in this church. Ce sont de très très bons leaders dans cette église. And I'm so excited to speak in a theater. Et je suis très excité à l'idée de parler dans un théâtre. When we started 30 years ago, lorsqu'il y a 30 ans, nous avons commencé dans le ministère. Like Pastor Christian told you, de la façon dont Pasteur Christian l'a dit, we bought a 900-seat pornographic theater. On a acheté un cinéma porno qui comptait 900 places. And we turned it into a church. Et on l'a transformé en église. I'm always excited about taking territory from the devil. Et je suis toujours excité à l'idée de reprendre du territoire à l'ennemi. And giving it back to Jesus. Et le rendre à Jésus. So this theater reminds me of our theater in Detroit. Donc ce théâtre-là me rappelle le théâtre que l'on a acheté à Détroit dans le Michigan. They ran the pornographic movies till the day we bought it. Ils ont diffusé des films porno jusqu'au jour où on l'a acheté. So we had a lot of work to do on the inside. Donc on avait beaucoup beaucoup de boulot à l'intérieur du théâtre. And when we were working on the theater, et alors que nous étions en train de réparer le théâtre, men used to come by the theater, il y avait des hommes qui continuaient à venir au théâtre, and they thought we were renovating the pornographic theater. Et ils pensaient qu'on était en train de rénover le cinéma porno. And they would ask us when the movies will start. Et ils nous demandaient, mais à quelle heure est-ce que les films vont reprendre? And we would say, Sundays, 10 and 6. Et on leur répondait le dimanche à 10h du matin et à 6h du soir. And many men that used to go to that theater, et de nombreux hommes qui avaient l'habitude d'aller dans ce cinéma, used to look at the same screen that they saw those movies on. Et on commençait à regarder ces écrans sur lesquels il y avait les images que vous connaissez. And they would see Jesus on the screen. Mais désormais, ils voyaient des paroles qui parlaient de Jésus sur l'écran. And instead of being left in bondage, et au lieu d'être laissés dans l'addiction, they were set free by Jesus. Ils étaient libérés par Jésus. Hallelujah. Hallelujah. That's why before we came here, c'est pour cette raison que avant de venir ici, I read a story that took place in the United States. J'ai lu une histoire qui s'est passée aux États-Unis. That reminded us of what we faced in Detroit. Qui m'a beaucoup rappelé ce que nous avons eu à faire face à Détroit. A church very much like this. Il y avait une église à peu près de cette taille-là. Started in a section of the United States. Qui a débuté dans une partie des États-Unis. And right next to them, a pornographic theater moved in. Et juste à côté, dans la rue juste en face, il y a un cinéma porno qui s'est ouvert. That means every time they left church. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que les gens sortaient de l'église. Every time families walked out. À chaque fois que les familles sortaient, passaient les portes they de l'église. They would see so many people at the pornographic theater. Ils voyaient de nombreuses personnes qui attendaient pour entrer dans le cinéma porno juste en face. Right next to them. Juste à côté. They tried to go to the government officials. Donc l'église a essayé de se retourner vers le gouvernement, vers la municipalité. Put that next to a church. Et ils ont dit, mais ils n'ont pas le droit de mettre ça juste en face d'une église. Ça the se mayor fait pas. Wouldn't do anything. Le maire ne voulait rien avoir avec, the government officials wouldn't do anything. La municipalité ne voulait rien avoir avec ça. They tried to protest it. Donc ils ont essayé de manifester. And then the church had a good idea. Mais ensuite l'église a eu une bonne idée. They said maybe we should pray. Ils ont dit peut-être on devrait prier. Sometimes we wait too late to pray. Des fois on attend un petit peu tard avant de se mettre à prier. Well, the church went on a 21-day prayer and fast. L'église a débuté un jeûne et prière de 21 jours. I can't remember which day it was. Je ne me rappelle pas de la date précise. But the newspaper article said. Mais il y a un article dans le journal qui disait. Around day 10. Say that again. Around the 10th day. Okay, à peu près au bout du 10e jour de jeûne et prière. While they were praying. Alors que l'église était en train de prier. A thunderstorm came to the area. Il y a un orage qui a commencé à arriver dans la région. And lightning struck the pornographic theater. Et il y a un éclair qui a frappé le cinéma porno. And it burned to the ground. Et le cinéma a brûlé. Well, the movie people were so upset. Les gens qui avaient l'habitude d'aller dans le cinéma porno étaient tellement en colère. They took the church to court. Ils ont porté plainte contre l'église. And they said. Et ils ont dit. You prayed. Parce que vous avez prié. Sent fire from heaven. Le feu du ciel est descendu. And you burned down our theater. Et a détruit notre cinéma porno.
So we want you to pay for the damages. Donc il voulait que l'église paye pour les réparations. The church's lawyer, l'avocat de l'église, said it's not our fault. A dit c'est pas notre faute à nous. We were just praying. On a fait que prier nous. And a storm came. Et l'orage est arrivé. And your theater burned down. Et votre cinéma a brûlé. The pornographic lawyer, l'avocat du cinéma porno, said no no no. A dit non 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 non. Just like Elijah. Comme Élie. Fire came down. Il y a le feu du ciel qui est descendu. And you caused this. Et c'est à cause de vous. And you owe us money. Et vous nous devez de l'argent désormais. The judge finally said. Le juge a finalement déclaré. I've never seen this before. Je n'ai jamais vu ça auparavant. I have pornographic people who believe in prayer. J'ai des gens qui vont au cinéma porno qui croient dans la prière. And Christians who don't believe in prayer. Et j'ai des chrétiens qui ne croient pas dans la prière. I believe in prayer. Mais je crois dans la prière. And God answers prayer. Et Dieu répond à la prière. And I want to talk to you about this today. Et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. I felt led by the Holy Spirit. Je me suis vraiment senti conduit par le Saint-Esprit. That I was to speak to you about this today. De vous parler de ce sujet en particulier aujourd'hui. It would be wonderful. Ce serait merveilleux. If we could pray something here today. Si on pouvait prier aujourd'hui maintenant. And walk out of the theater. Et en sortant du théâtre. And the answer is waiting for us on the street. Que la réponse puisse nous attendre directement dans la rue. If you had financial problems. Si vous avez des problèmes financiers. And said, Jesus, I need more money. Et que vous dites, Seigneur, j'ai besoin de plus d'argent. And you walked outside the church. Et au moment où vous sortez de l'église. And someone was holding money for you. Quelqu'un vous attend avec de l'argent dans la main. I would come to this church. Moi, je viendrai à l'église ici si c'était le cas. Or if you're a single person. Ou alors si vous êtes célibataire. And you go, God, I need a wife. Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une épouse. God, I need a husband. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. And you walk outside the church. Et alors que vous sortez de l'église. And there he's standing on the streets. Il y a quelqu'un qui vous attend comme ça de l'autre côté de la rue. With his arms held open wide. Qui ouvre ses bras grands pour vous. And a ring in his finger. Avec une bague dans la main. I would come to this church. Moi, ça me ferait venir dans cette église. But how many know it doesn't happen that fast? Mais beaucoup d'entre nous, nous savons que ça ne se produit pas aussi rapidement, n'est-ce pas? I want to take you on a journey today. J'aimerais vous prendre avec moi pour un voyage. There is something I believe that God wants to speak to us. Il y a quelque chose que je crois personnellement que Dieu veut nous dire ce matin. And I think that that Jesus answers this question. Et je crois que Jésus répond à cette question. When he speaks about prayer. Lorsqu'il parle lui-même de la prière. Because Jesus speaks about in one verse. Parce que dans un verset, Jésus parle about answered prayer. De prière répondue. It's called the upper room discourse. On appelle ça le discours de la chambre haute. And it's Jesus's final words before he would go to the cross. Et ce sont les derniers mots de Jésus juste avant d'aller à la croix. It's found in John 14, 15 and 16. On les trouve dans Jean 14, 15 et 16. These are Jesus's last words. Ce sont les dernières paroles de Jésus sur terre. Before he'd go to Calvary. Avant d'aller au calvaire. Resurrect from the dead. Avant d'être ressuscité des morts. Et retourner au ciel. Here is his last words to his disciples. Voici les derniers mots qu'il a adressés à ses disciples. In John chapter 14. Dans Jean chapitre 14. He says, I'm going to be leaving very soon. Il dit, je vais partir très bientôt. But you're not going to be by yourself. Mais vous n'allez pas vous retrouver tout seul. I'm going to send you a gift. Parce que je vais vous envoyer un cadeau. His name is the Holy Spirit. Son nom, c'est le Saint-Esprit. That Spirit is going to live inside of you. Cet esprit va vivre à l'intérieur de vous. You will not be alone. Vous ne serez pas tout seul. You could be in Jerusalem. Vous pouvez être à Jérusalem. Or you could be in Paris. Ou vous pourriez être à Paris. And I will be with you Mais through moi, the Holy Spirit. Je serai avec vous à travers le Saint-Esprit. Then in John 15. Puis dans Jean chapitre 15. He says it's going to be a brand new relationship that we have. Il dit on va avoir une nouvelle relation tous les He deux. He says it's going to be like a vine and a branch. Il dit que ça va être un petit peu comme la vigne et le cep. He says, if you stay connected to me, il dit, si tu restes connecté à moi, the life that is in me, la vie qu'il y a en moi is gonna start flowing through you. Va commencer à se déverser en toi. That there are things you could not do parce qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire unless my life flows through you. Et désormais, parce que ma vie coule en toi, tu pourras les faire. Like sap going to a branch. De la même manière que la sève passe du tronc dans les branches. And then he finishes in John 16. Puis dans Jean 16, Jésus termine. And he talks about the Holy Spirit one more time. Il parle à nouveau du Saint-Esprit. And then he mentions
mentions prayer. Puis il mentionne la prière. In fact, Jesus finishes his message. En fait, Jésus termine son message. By saying that prayer is like a woman in labor. En disant et en comparant la prière à une femme qui est sur le point d'accoucher. The pain that she goes through. La douleur qu'une femme éprouve. In order to deliver that child. Juste avant de pouvoir donner la vie. Is like prayer. C'est un petit peu comme la prière. Jesus said. Jésus dit. When that child finally comes. Lorsque l'enfant sort enfin, you forget the 9 months of what you carried. Elle oublie les 9 mois où elle l'a porté. And you start to rejoice with what you see. Et elle commence à se réjouir de ce qu'elle voit. And Jesus finishes with one verse. Et Jésus termine avec un verset that I want to read to you today. Que j'aimerais vous lire ce matin. This is what Jesus said in John 16:24. Voici ce que Jésus dit dans Jean 16:24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Listen to these words again. Écoutez bien ces mots à nouveau. Ask and you will receive. Demandez et vous recevrez. Let me say that again. Laissez-moi répéter. Demandez and you will receive. Et vous recevrez. What powerful words of prayer. Ce sont des mots puissants de la prière, n'est-ce pas? Here's the confusing part. Mais voici la partie qui peut peut-être nous confondre. Asking is easy. Demander, c'est facile. Receiving is exciting. Recevoir, c'est excitant. It takes just a few seconds to read those words. Ça prend juste quelques secondes pour lire ce verset. But how many know? Mais combien d'entre nous savent? That between ask and receive. Qu'entre le moment où on demande et le moment où on reçoit. Could sometimes take years. Des fois, ça prend des années entre les deux. Could sometimes take 10 years. Des fois, ça prend 10 ans. I wish it would happen as soon as you read it. J'aimerais tellement que ça puisse se produire au moment où on le lit. I ask God. Je demande à Dieu. I receive from God. Je reçois de Dieu. But God doesn't do that. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. And this is what becomes confusing to people. Et c'est ça qui peut peut-être apporter de la confusion dans l'esprit des gens. Because what I want to talk to you in the next few minutes about. Parce que ce que j'aimerais vous partager dans les quelques minutes qui vont suivre. Is something that I have talked to many people around the world about. C'est quelque chose que j'ai partagé dans de nombreux pays dans le monde entier. From airplanes to coffee shops. Que ce soit dans, au café ou que ce soit dans des avions, United States to Europe, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, that this becomes one of the most confusing things. Ça devient un des thèmes qui porte le plus à confusion. Let me say this to you. Laissez-moi vous dire quelque chose. I want to talk to you about. J'aimerais vous parler what's in between ask and receive. De ce qu'il y a entre demander et vous recevrez. Because there's a lot that goes on between those two words. Parce qu'il y a de nombreuses choses qui peuvent prendre place entre ces deux mots. Let me tell you a story. Laissez-moi vous raconter une histoire. I read a book some time ago. Il y a un moment de cela, j'ai lu un livre. That has affected every person in this room. Qui a eu un effet sur toutes les personnes, même dans ce lieu. And it deals with this gap in between prayer, ask and receive. Et ce livre parle de l'espace qu'il peut y avoir entre demander et vous recevrez. The book was written by one of the most reputable historians in the world. Ce livre a été écrit par un des historiens les plus réputés dans le monde. He's from the UK. Il est originaire de Grande-Bretagne. And he is a Christian man. Et c'était un chrétien. His name is Paul Johnson. Son nom était Paul Johnson. Paul Johnson has written about Churchill. Paul Johnson a parlé de l'Église. He's written about European history and American history. Il a parlé de l'histoire de l'Europe, de l'histoire des États-Unis. He has written about individuals. Il a parlé de personnes en particulier. And there's one person that stood out to me. Et il y a une personne qui m'a vraiment frappé. The name of the book is called Portrait of a Genius. Le nom du livre, c'est Le Portrait d'un Génie. That person et cette personne has affected everyone in this room. A eu un effet sur toutes les personnes qui the se trouvent children ici, that have before us, que ce soit les enfants and qu'on the a eu that will be born after us. Et les enfants qu'on va avoir. It is the story of Charles Darwin, c'est l'histoire de Charles Darwin, who is considered the man that introduced evolution into our science. Qui est l'homme que l'on considère être le précurseur de l'évolutionnisme. Where schools and universities around the world, dans les universités, dans les écoles du monde entier, now began to shift from a God-centered universe. Désormais, on voit une tendance qui part de la thèse d'une création d'un Dieu créateur. To evolution. Et qui bascule dans la théorie de l'évolution. Let me tell you Charles Darwin's story. Mais j'aimerais vous raconter l'histoire de Charles Darwin. Because Charles Darwin had a problem between ask and receive. Parce que Charles Darwin lui-même a eu un problème entre demander et vous recevrez. Charles Darwin, the father of evolution, le père de l'évolution, Charles Darwin, was studying to go into the ministry. Était étudiant pour rentrer dans le ministère. He wanted to pastor a church. Il voulait être pasteur d'une église. He was going to Cambridge University. Il était
j'étais sur le point d'aller dans l'université de Cambridge. And I was reading the letters between him and his wife. Et j'ai pu lire les lettres qu'ils s'échangeaient entre lui et son épouse. Charles Darwin mentions God all over his letters. Dans toutes ses lettres, Charles Darwin parle de Dieu. He married a strong Christian woman. Il avait épousé une croyante fervente en Jésus. They had 10 children. Ils ont eu 10 enfants. Charles came to a point in his life. Et Charles Darwin est arrivé dans un point de sa vie that he felt like où il avait l'impression that he would be a better scientist than a pastor. Où il avait l'impression qu'il serait un meilleur scientifique qu'un pasteur. Charles said, "God made my mind think that way." Et Charles Darwin s'est dit, c'est Dieu qui a créé mon intelligence et mon esprit. So he felt he wanted to explain God's creation better. To all of humanity. Donc il avait l'impression qu'il devait expliquer la création et la science mieux de façon à parler de Dieu aux gens. Charles and Anna had 10 children. Charles et son épouse Anna ont eu 10 enfants. And their littlest child Emma. Et l'enfant la plus jeune qui s'appelait Emma became sick. Est tombée malade. The doctor said she will die in months. Les docteurs lui donnaient quelques mois à vivre. Then Charles and Anna wrote letters between them. Et Charles et Anna son épouse ont commencé à s'échanger des lettres. And he said we're going to ask God and he's going to heal our little Emma. Et Charles disait à son épouse on va prier et Dieu va guérir notre fille. And for months Charles and his wife prayed that little Emma would be healed of this disease. Et pendant des mois consécutifs, Charles et Anna ont prié pour la guérison de leur petite Emma. And 6 months later, et 6 mois plus tard, little Emma died. La petite Emma est décédée. And Charles wrote in his journal, et Charles Darwin a écrit dans son journal, that any belief I have in God, que toutes les croyances qu'il avait en Dieu, is now gone. Avaient désormais disparu. I asked God to heal my daughter. Il disait, j'ai demandé à Dieu de guérir ma fille. He did not answer. Mais il n'a pas répondu à mes prières. There is no God. Donc Dieu n'existe pas. See, many thought that Charles became that Charles was an atheist. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que Charles a toujours été athée. And then when he went to South America, et que lorsqu'il est allé en Amérique du Sud, he saw changes in birds and turtles. Il a vu des changements dans les oiseaux, dans les tortues. And became an atheist. Puis qu'il est devenu athée. Nothing is further from the truth. Mais ce n'est absolument pas la vérité. Charles didn't understand what goes on between ask and receive. Charles ne comprenait simplement pas l'espace qu'il y avait entre demande et tu recevras. Because in between ask and receive, parce que entre demande et tu recevras, people get angry with God. Il y a des gens qui se mettent en colère contre Dieu. People get angry with him delaying. Il y a des gens qui se mettent en colère contre Dieu parce que il a un délai. They'll get bitter with God. Ils vont se mettre à être amers. And I've watched people say God doesn't even exist. J'ai vu des gens se mettre à dire que Dieu n'existe même pas. That's what happened with Charles Darwin. Voici ce qui s'est passé dans la vie même de Charles Darwin. There are people all over this theater. Il y a des gens partout dans ce lieu. That some of you are in between ask and receive. Et certains d'entre vous, vous vous trouvez dans cet espace entre demande et tu recevras. You have asked God for something. Tu as certainement demandé à Dieu quelque chose. You've not experienced receive. Mais tu ne l'as pas encore reçu. And now you're in a battle. Et maintenant, tu es dans une véritable bataille. From everything, does God love me? Tu te demandes même, est-ce que Dieu m'aime? Does God even exist? Tu te demandes même, est-ce que Dieu existe? Ask and you will receive. Demande et tu recevras. But what's in between that? Mais ce qu'il y a entre les deux, is what I want to talk to you just for the next few moments. C'est ce dont j'aimerais vous parler pendant les quelques instants qui vont suivre. Because I've been there in that situation. Parce que j'ai été moi-même dans cette situation, dans cet that espace. That I've been angry with God. À cet espace où j'ai même été en colère contre I Dieu. I prayed for this. J'ai prié pour ça, Seigneur. And you didn't answer my prayer. Et tu ne m'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à ma prière. I want to do my best today. J'aimerais faire de mon mieux aujourd'hui. I want to tell you two things. En vous disant deux choses. I want you to write these two thoughts. J'aimerais down. Que vous puissiez écrire. That maybe today, parce que peut-être aujourd'hui, things could become a little bit clearer. Il y a des choses qui vont peut-être s'éclaircir. Maybe today, peut-être que aujourd'hui, you've given God one more chance. Vous avez donné à Dieu une dernière chance. And I think God is going to show up for you today. Et je crois que Dieu va se montrer à vous aujourd'hui. So I want to give you two thoughts today. Alors j'aimerais vous donner deux idées si vous pouviez les mettre par écrit. I want to talk about us. J'aimerais tout d'abord parler de nous. Then I'm going to talk about God. Puis je parlerai de Dieu. And this was my journey. Et c'est même mon expérience. In between ask and receive. De mon expérience de mon voyage entre demande et tu recevras. This is such an important message to me. C'est un
un message tellement cher à mon cœur. We leave tomorrow for Italy. Parce que demain, mon épouse et moi, on we part just pour did two l'Italie. Pastor conferences here in France. On vient juste de faire deux conférences pastorales ici en France. And we're about to do two more in Italy. Et on va en faire deux autres en Italie. And I've been wanting to find a way to share this. Et j'ai cherché un moyen de pouvoir partager ce message. And you're the first ones I'm sharing this with. Et vous êtes le premier auditoire auquel je vais le partager. So you better help me this morning. Alors il faudrait que vous m'aidiez ce matin. So here we go. Donc c'est parti. The first thing I want to talk about is us. La première chose dont j'aimerais parler, c'est de nous. Because this, when we deal with what's happening between ask and receive. Parce que lorsque on a affaire à cette partie entre demande et tu recevras. We have a misunderstanding. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas bien. So here's number one. Donc voici la première. God doesn't give you the thing you're praying for, but he gives you the journey to get you ready for the thing. Dieu ne te donne pas forcément la chose pour laquelle tu pries, mais il va te donner le voyage qui va t'accompagner jusqu'à ce que tu sois assez mature pour l'avoir. When you pray and ask God for something, lorsque tu pries et que tu demandes quelque chose à Dieu, you don't get what you're praying for, tu n'obtiens pas la réponse, tu n'obtiens pas la chose que tu demandes, but you get a maturity journey. Mais tu obtiens un chemin qui t'amène la maturité. Because God is a father, parce que Dieu est un père. And he's not going to give us something that we're not ready for. Et il ne nous donnera jamais quelque chose pour lequel on n'est pas prêt. And so many times I've said, God, I want this. Et à tant de reprises, on dit à Dieu, je veux ça. And God said, good. Et Dieu dit, c'est bien. It's time to mature you to get ready for that. Ça veut dire que tu es prêt à mûrir pour l'obtenir. I kept wanting the thing I prayed for. Moi, je peux continuer à désirer la chose en particulier pour laquelle je prie. And God says, I need to give you a schooling on how to become mature. Mais Dieu me dit, je vais te mettre à l'école pour que tu puisses mûrir et obtenir ce que tu demandes. Because God is a father. Parce que Dieu est un père. He won't give to us. Alors il ne nous donnera pas. Something that we will lose. Quelque chose que nous perdrons. By immaturity. À cause de notre immaturité. When you ask God. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu. That's when you start God's school of maturity. C'est le moment où on entre dans l'école de Dieu pour mûrir, pour so la maturité. You can handle what you've asked for. De façon à ce qu'on soit capable de recevoir ce pour quoi nous prions. It's the difference between what I want. C'est la différence entre ce que je veux and when I'm ready for it. Quand est-ce que je serai prêt à l'obtenir? God's school is so different than we can imagine. L'école de Dieu est tellement différente de ce à quoi on pourrait penser. Let me explain. J'aimerais vous l'expliquer. If you have a gift to sing. Si vous avez un don pour le chant. If you have a gift to preach. Si vous avez un don pour la prédication. If you have a gift to hold a microphone. Si vous avez un don pour tenir le micro. How would you prepare that person to step on the stage? Comment est-ce que vous prépareriez cette personne à monter sur l'estrade? The second longest sermon in the New Testament. La deuxième prédication la plus longue de tout le Nouveau Testament. After the Sermon on the Mount. Après le sermon sur la montagne. Is Stephen's sermon in Acts chapter 7. C'est la prédication de Étienne. So how would you prepare Stephen to preach that sermon? Donc comment est-ce que vous auriez préparé Étienne à prêcher sa prédication? Do you send him to seminary? Est-ce que vous l'emmèneriez à l'école biblique? Do you send him to Bible school? Est-ce que vous l'emmèneriez peut-être au séminaire? But God has a different school for him. Mais Dieu a une école différente pour lui. That before God gave him a stage avant, in Acts 7. Avant de lui donner une estrade, un podium dans Acte 7. He gave him a school in Acts chapter 6. Il l'a envoyé à l'école dans Acte 6. He said, "Before I put a microphone in your hand." Il a dit à Étienne, avant de te donner comme un micro dans la main. And you preach the second longest sermon in the Bible. Et que tu puisses prêcher le deuxième message le plus long de la Bible. I'm going to have you serve widows in Acts. Je vais te demander d'aller servir les veuves dans Acte 6. Because if you don't know how to serve people, parce que si tu ne sais pas comment servir les gens, then you're not ready to talk to people. Alors ça veut dire que tu n'es pas prêt à prêcher aux gens. Everybody wants a microphone, tout le monde veut un micro, but nobody knows how to serve. Mais personne ne sait comment servir. So he says, you're going to serve widows that are hungry in Acts 6. Alors il lui a dit, dans Acte 6, tu vas aller servir des veuves qui ont faim. And this is a group of people, et ça, c'est un groupe de personnes that can't pay you back.
back, qui ne peuvent pas vous rembourser, and they can't promote you, et qui ne peuvent pas vous apporter de promotion. But that's going to be your school to serve them. Mais c'est l'école dans laquelle tu vas aller pour apprendre à servir. That before you get a microphone, de façon à ce que avant d'obtenir un micro, before you get a stage, avant d'obtenir une estrade, God puts us through a school of maturity. Dieu nous envoie à l'école de la maturité. How about Joseph? Et si on réfléchit même à l'histoire de Joseph, he's going to be the second most powerful man on the planet. Joseph va devenir le deuxième homme le plus puissant de toute la planète. How do you prepare him to be a leader? Comment est-ce que vous prépareriez cet homme à devenir un leader? Do you get a business degree? Est-ce que vous iriez à une école de commerce? Do you read leadership books? Est-ce que vous liriez des livres sur And le leadership? God says, I have a school for you. Mais Dieu a dit non, j'ai une école pour And toi. For 13 years, et pendant 13 années, God says you're going to have three classes. Dieu a dit à Joseph, tu vas aller dans trois classes. Class number one. La première classe. You're going to be betrayed by the closest people in your life. Tu vas être trahi par les gens les plus proches que tu as chez toi. Class number two. Deuxième classe. You're going to be accused and you can't defend yourself. Tu vas être accusé de quelque chose dont tu ne pourras même pas te défendre. Class number three. Et troisième classe. Someone's going to make promises to you and they're going to break those promises. Des gens vont te faire des promesses mais ils ne les tiendront pas. Did you understand how deep that school is? Est-ce que vous avez réalisé à quel point cette école est profonde? He says you want to be a leader? Il a dit à Joseph, tu veux être un leader? He says I'm going to teach you about betrayal by the closest people in your life. Alors je vais t'apprendre la trahison par les personnes les plus proches. He says, do you want to lead Joseph? Il a dit à Joseph, tu veux être un leader? Then you're going to be accused of something you did not do. Alors tu vas être accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Not going to be able to defend yourself. Mais tu ne seras même pas capable de te défendre. You're not going to be able to go on social media and tell your side of the story. Tu vas pas être capable et tu n'auras pas la possibilité d'aller dans un réseau social et de dire you ta version de l'histoire. You are going to have to keep your mouth shut and let God defend you. Il va falloir que tu laisses ta bouche fermée et que tu laisses Dieu s'occuper de ton cas. And you're going to have people that are going to promise you something. Puis enfin, tu vas avoir des gens qui vont te faire de belles promesses. And they're going to break their promises. Mais ils ne vont pas les tenir. He says, "Here's your school, Joseph, for leadership." Il a dit à Joseph, "Elle est là ton école pour devenir un leader." Betrayal. La trahison. Accusation, l'accusation, and broken promises, et des promesses non tenues. That's a tough school. Ça, c'est une école difficile. Betrayal, la trahison, and accusation, accusation, and broken promises, et des promesses non tenues. He says, "I want to see if you could be betrayed." Il a dit, je veux essayer de voir si tu peux être trahi. And not get bitter with people. Sans devenir amer envers ceux qui t'ont trahi. I want to see if you could be accused. Je veux voir si tu peux être accusé. And trust me to defend you. Mais me faire confiance pour te défendre. And I want to see if you can have people make promises to you. Et je veux voir si tu es capable d'avoir des personnes autour de toi qui vont te faire des promesses, promises, mais qui ne les tiendront pas. And realize man doesn't promote you. Et que tu puisses réaliser que les hommes ne peuvent pas t'apporter de promotion. But God promotes you. Mais que Dieu peut t'apporter une promotion. He says, that's what's going to get you ready for leadership. Il a dit à Joseph, c'est ça qui va te préparer à être un bon leader. So when you say, God, I want to be a leader. Donc lorsque vous priez cette prière, Seigneur, je veux être un leader. When you say, God, I want to be a pastor. Lorsque vous dites, Seigneur, je veux être un pasteur. When you say, God, I want to sing on stage. Lorsque vous dites, Seigneur, je veux chanter sur l'estrade. When you say, God, I want to have my own business. Lorsque vous dites, Seigneur, je veux avoir ma propre entreprise. God goes great. Dieu dit super. You don't get the thing, you get a maturity journey. Mais tu n'auras pas la chose, mais tu auras le voyage de maturité qui va avec. I'm going to do something to get you ready for what you prayed for. Et Dieu te dit, je vais t'emmener dans une école qui va te préparer à obtenir ce que tu m'as demandé. Let me explain this personally. J'aimerais vous donner une expérience personnelle. Pastor Christian talked about my father. Pasteur Christian a mentionné mon père tout à l'heure. That worked with David Wilkerson. Qui a travaillé avec le pasteur David Wilkerson. He was the policeman in the book The Cross on the Switchblade. Mon père était le policier dans le livre La Croix et le Poignard. That when David Wilkerson was preaching on the streets. Qui lorsque David Wilkerson prêchait dans les rues de New York City. And they told him you can't preach on the streets. Et que des policiers lui ont dit qu'il ne pouvait pas prêcher. A police captain came up and said let him preach. Un capitaine de police s'est présenté et a dit laissez-le prêcher. And that was my father. Et cet homme, c'était mon père. And so as our fathers worked together, et alors que mon père et le père de Gary Wilkerson travaillaient ensemble, Pastor Gary Wilkerson and I get to work together. Désormais, Pasteur Gary et moi-même, nous travaillons ensemble. As a second generation. Et nous sommes donc la deuxième génération de serviteurs. I was raised by a godly father. J'ai eu la chance d'avoir un bon père chrétien. And my dad told me this. Et mon père m'a dit ceci. When I was a teenager, alors que j'étais un adolescent, il dit, when you are going to drive, il me dit, lorsque tu pourras conduire, I'm going to buy you your first car. Je t'achèterai ta première voiture. I was so excited. J'étais
tellement excité. But here was the problem. Mais voici le problème. The car he bought me, la voiture qu'il m'a achetée, and the car I thought he should have bought me, et la voiture auquel je pensais qu'il m'achèterait, were really different. Étaient extrêmement différentes. He bought me a car. Il m'a acheté une voiture. That was the largest car in America. Qui était la voiture la plus grosse jamais produite aux États-Unis. They just called it by three letters. Son nom était contenu dans trois lettres. They called it LTD. On l'a appelé la LTD. It was gigantic. C'était immense. It was about the size of this theater. Elle faisait à peu près la taille de ce théâtre. It was so big. Elle était tellement grosse. That I think I ran over people and didn't know it. Que je pense avoir roulé sur des gens sans même m'en apercevoir. I couldn't park in normal parking places. Je ne pouvais pas me garer dans des places de parking normales. I didn't get married till I was 33 years old. Et je ne me suis pas marié je me suis marié à l'âge de 33 ans. It was probably because of that car. Et je pense que c'est à cause de cette sale voiture. Nobody would marry me with that car. Personne ne voulait épouser un gars avec une telle voiture. My dad is responsible for that. Mon père est responsable pour ça. Let me tell you what he was supposed to get me. Laissez-moi vous dire ce qu'il était censé m'acheter. There was a movie that came out many, many years ago. Il y a un film qui est sorti il y a de nombreuses années. I don't even know if you would know this movie. Je ne sais même pas si vous connaissez ce film. Because you're so young. Parce que vous êtes tellement jeune. I'm so old. Je suis tellement vieux. And the man Burt Reynolds just died just recently. L'acteur Burt Reynolds est décédé récemment. The name of the movie was Smokey and the Bandit. Et le nom du film c'était Smokey and the Bandit. And there was a black car called a Trans Am. Et il y avait une voiture noire appelée la Transalp ou Transalpine. With a big bird on the front. C'est avec un bel oiseau sur le capot avant. It was an anointed car. C'était une voiture ointe de Dieu. That's the car that Jesus wanted me to have. Ça, c'était la voiture que Jésus voulait que j'aie moi. But my father got me the LTD. Mais mon père m'a acheté une LTD. And ruined my life. Et a ruiné ma vie. The seat was one giant seat. Le siège, c'était en fait une seule immense banquette. It looked like a seat on a bus. On aurait dit une banquette qu'on a dans les bus. That to move the seat close to the wheel. Et pour rapprocher la banquette du volant. Everybody had to move together in the car. Tout le monde devait venir avec moi dans la voiture. What my dad did. Ce que mon père a fait. Was he didn't buy me a car. C'est qu'il ne m'a pas acheté une voiture. He was buying me a maturity journey. Il m'a acheté un voyage pour la maturité. He was saying, if you can't take care of this, il me disait, si tu n'es pas capable de prendre soin de ça, you're not going to be able to take care of that. Donc tu ne seras pas capable de prendre soin de ceci. If you can't change the oil in that car, si tu ne peux pas changer l'huile du moteur de cette voiture, then you don't need that kind of car. Alors tu n'as pas besoin de cette sorte de voiture. If you can't pay the parking tickets in that car, si tu ne peux pas payer les amendes de parking avec then cette why voiture, would you be trusted with this car? Alors pourquoi est-ce que je te ferais confiance avec ce genre de voiture? See, God puts us on a journey of maturity. Voyez, Dieu nous met sur un voyage en vue de la maturité. If you're here today and you're single, et si aujourd'hui vous êtes ici et que vous and êtes célibataire, going, God, I want a husband, et que vous dites, Seigneur, je veux un mari, listen to me close. Écoutez-moi bien. I want to tell God can give you anything in a moment. Comprenez bien, Dieu peut vous donner n'importe quoi comme ça. Let me tell you the worst single person in human history. Mais laissez-moi vous parler du pire célibataire de l'histoire. You ready for this? Vous êtes prêts? Adam. Adam. There was no women. Parce qu'il n'y avait pas de femmes. There wasn't a human. Il n'y avait même pas un être humain autour. So how could Adam get a date? Alors comment est-ce que Adam pouvait avoir un rencard? He can't. Il peut pas. It's impossible. C'est impossible. Some of you feel that way. Et il y en a certains d'entre vous avez la même impression. And what God did was, est-ce que Dieu a fait, when the time was right, c'est que lorsque le temps était God approprié, created a woman for him. Dieu a créé une femme pour lui. Which means that God can do anything. Ce qui nous prouve bien que Dieu peut faire n'importe quoi. In his timing. Mais dans son temps.
Okay, listen close. Okay, écoutez bien. Because God says, parce que Dieu dit, if you can't appreciate these single years, si tu ne peux pas apprécier ces années de célibat, then you're going to abuse your married years. Alors ça veut dire que tu vas abuser de tes années if de mariage. If you can't be satisfied with God as a single person, si tu ne peux pas te satisfaire de ta relation avec Dieu en tant que célibataire, then you're going to think some man or woman is going to meet a need that only God can meet. Alors ça veut dire que tu penses qu'un homme ou une femme va pouvoir te rendre vraiment heureux. To every single person, alors à tous les célibataires ici, God says, find your joy in me. Dieu te dit, trouve ta joie en find moi. Satisfaction in me. Trouve ta satisfaction en moi. Not in marriage. Et pas dans le mariage. Because if you find it in marriage, parce que si tu le trouves dans le mariage, you're going to be in a lot of trouble. Alors tu vas avoir beaucoup de because problèmes. There is no person that can give you joy. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui peut te procurer there de la vraie no joie. Person that can give you peace. Il n'y a personne sur terre qui peut te donner only de la vraie God paix. God can do that. Seul Dieu peut faire ça. And if you can't find it as a single person, et si tu ne peux pas t'en apercevoir en tant que célibataire, you're not going to find it as a married person. Alors tu ne le trouveras pas en étant marié. So God says to you, alors Dieu te dit, that be faithful in this season. Sois fidèle dans cette saison de ta vie. Let me mature you in this season. Laisse-moi te faire mûrir dans cette saison. So when what you've prayed for happens. Afin que pour ce pourquoi tu as prié. That I brought you through a journey to receive that. Je puisse t'emmener dans un voyage de maturité pour l'obtenir. When you don't receive what you've asked for. Lorsque on ne reçoit pas ce que l'on a demandé. It's not God's inability. Ce n'est pas que Dieu en est incapable. It's our immaturity. C'est parce que nous sommes immatures. And he's taking us on a journey. Et il nous emmène sur un voyage. Let me finish with this. J'aimerais terminer avec ceci. Number one. Tout d'abord, when we pray, lorsque nous prions, we don't get the thing, on n'obtient pas la chose, we get the journey. Mais on obtient le voyage. Let me say that again. Laissez-moi répéter. When you ask God, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, what's in between ask and receive? Ce qu'il y a entre demander et vous recevrez, this deals with us. Ça a à voir avec nous. When I say God, I want this. Lorsque je dis Seigneur, je veux ça. God goes good. You've asked me for a journey. Dieu me dit c'est bien, je vais t'envoyer en voyage. We're going to school. Et on va aller à l'école ensemble. It's not classes that you're used to. C'est pas des cours qu'on a l'habitude d'avoir. But it's classes to mature you. Mais ce sont des cours qui vont nous apprendre I'm la maturité. You on a journey. Dieu nous emmène to en get voyage. You ready for what you've asked for. Pour vous préparer à recevoir ce que vous avez demandé. Now let me talk about God. Et maintenant laissez-moi vous parler de Dieu. This is important. C'est très important. Number two. Deuxièmement. You write this down. Écrivez bien ça. I pray one thing. Je prie une chose. God does 10,000 things. Dieu fait 10,000 choses. Let me say that again. Laissez-moi répéter. I just prayed one thing. Lorsque je prie pour une chose. God does 10,000 things. Dieu en fait 10,000. This is what liberated me. Et c'est ça qui véritablement m'a libéré. Because this is the part parce que c'est la partie that I realized what God was doing. Où j'ai réalisé ce que Dieu était vraiment en train de faire. He was when I ask God for something. Lorsque je demande à Dieu quelque chose, he's coordinating to make it happen. Il coordonne tout pour que ça puisse se produire. We have no idea. On n'a aucune idée. What God puts into motion. De ce que Dieu met en action. When you pray just one prayer. Lorsque vous faites une simple prière. He's God and is able to do that. Il est Dieu et il est capable de le faire. We saw a few years ago what happens. Il y a quelques années, on a vu ce qui s'est passé. If we became God, si nous devenions Dieu, I want to remember the old movie Bruce Almighty. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Bruce Tout-Puissant. When Jim Carrey became God, lorsque Jim Carrey est devenu Dieu, help us, Jesus. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Do you remember what happens when he was God for a week? Vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsqu'il a été Dieu pendant l'espace d'une semaine? He was hearing all these people pray. Il a commencé à entendre toutes les prières des gens. He says there came one point of the movie. Et je crois qu'à un moment du film, that he just said yes to everything. Il a juste appuyé sur un bouton et il a dit oui à toutes les prières du monde. The next day in the newspaper, le lendemain dans les journaux, it said 3 million people won the lottery. Ça disait que 3 millions de personnes avaient gagné au loto. And everybody got 1 euro. Et tout le monde avait eu 1 euro. Because he just said yes to everybody. Parce qu'il avait dit oui à tout le monde.
He said he heard a prayer in his mind. Dans le film, à un moment, il dit, il entend une prière. Someone was saying, "Give me a full moon so I can propose to my girlfriend." Ou un homme disait, je voudrais tellement qu'il, je prie pour qu'il y ait la pleine lune pour que je fasse ma demande en mariage. So Jim Carrey made the moon full. Donc Jim Carrey a ramené la lune pour qu'elle soit le plus grosse possible. The next day in the newspaper. Le lendemain dans les journaux. It said a tsunami hit the Philippines. Ça disait qu'un tsunami avait frappé les Philippines. Because of strange movements of the moon. Parce que la lune avait eu des mouvements inhabituels. God, we're not gods. Merci Seigneur, on n'est pas Dieu. Only he can be God. Seulement lui peut être Dieu. Because we're praying one thing, parce que nous, lorsqu'on prie une chose, God is doing 10,000 things. Dieu en fait 10 000. You have done the easy part. Vous avez la partie la plus simple à faire. All you did was ask. Tout ce qu'on vous avait à faire, c'est demander. God has the work to do. Mais Dieu doit travailler, lui. You just said, God, I need this. Vous dites juste, Seigneur, j'ai besoin de ça. God does 10,000 things. Mais Dieu répond en faisant 10 000 choses. Okay. Let me explain it this way. Okay, je voudrais vous l'expliquer d'une façon concrète. Tim, come here for a second. Timothée, si tu veux bien venir, s'il te plaît. The worship guy. Okay. Stay right there. Okay, reste ici. Say Tim is coming to church today. Merci Seigneur que Tim soit venu à l'église aujourd'hui. And Tim says. Et Tim a dit. Just as he's walking on the street. Imaginez alors qu'il était en train de venir à l'église. I need a word from the Lord. Imaginez qu'il ait dit au Seigneur, j'ai besoin d'une parole de Dieu. Some of you don't think that's a big request. Il y en a certains d'entre vous, vous pensez pas que c'est une très très grande requête. Some of you don't realize Tim did the easy thing. Vous ne réalisez pas que Timothée a simplement la partie la plus facile à faire. Tim's just walking to church. Timothée va à l'église tout simplement. He realizes I've got to play music today. Il réalise bon, je dois jouer de la musique aujourd'hui. I've got to lead people in worship today. Je dois conduire les gens dans la louange aujourd'hui. God, I'm going to work hard today. Seigneur, je vais travailler dur aujourd'hui. Can I just have a word from the Lord? Est-ce que je peux simplement avoir une parole de toi? That's all he asked. Et c'est tout ce qu'il a à faire. Okay. Do you know what God has to do? Est-ce que vous réalisez ce que Dieu doit faire to answer that prayer? Pour répondre à sa simple okay. prière? Okay. Stay with me now. Okay. Suivez-moi bien. Some of you just think, il y en a certains d'entre vous, vous pensez, Pastor Tim is in the hotel. Pastor Tim, lui, il est à l'hôtel. He prays, il prie. And I preach from John 16, et il prêche de Jean 16. And Tim goes, Hallelujah. Et Timothée répond, okay. Alléluia. It's 10,000 things God needed to do. Mais il y a eu 10 000 autres choses okay. que Dieu a dû faire. Stay right there, Tim. Okay, reste là, toi. So, in order to make this happen today, de façon à ce qu'il puisse répondre à cette prière aujourd'hui. Remember, God saw this day taking place. Rappelez-vous que Dieu a déjà vu à l'avance ce Remember, jour prendre place. On est God d'accord. saw that Tim was going to ask this prayer. On sait que Dieu savait que Timothée allait faire cette prière. Do you know what he had to do to get me here? Est-ce que vous savez ce que Dieu a dû faire pour que je sois okay. ici aujourd'hui? Buckle up. OK, mettez votre ceinture. And here we go. Et c'est parti. So, he had to speak to a preacher in Pennsylvania in the United States. Il a dû commencer par parler à un prédicateur dans Pennsylvanie aux États-Unis. Named David Wilkerson. Appelé David Wilkerson. David Wilkerson had to go to New York City to speak to Nikki Cruz and the gang members. David Wilkerson a dû se rendre à New York City pour parler à des membres de gang et que Nikki Cruz soit sauvée. While David Wilkerson is in New York City, pendant que David Wilkerson est dans New York, he has to meet a police chief named Paul DeLena. Il doit faire la rencontre d'un policier qui s'appelle Paul DeLena. So while they're building a friendship, et pendant qu'ils sont en train de construire une amitié, God then has to go to Montreal, Dieu doit aller jusqu'à Montréal. Thanks a lot, Tim. Merci Timothée. And save a man named Claude Oud. Et il doit sauver un homme appelé Claude Oud. Pull him out of gangs. Et il doit le sortir des gangs. And get him to start a church in Montreal. Et il doit le faire commencer une église à Montréal. David Wilkerson needed to start a church in New York City. David Wilkerson, pendant ce temps, il doit commencer une église à New York City. Then while I'm preaching in Detroit, Michigan. Et pendant que moi je suis en train de prêcher à Détroit dans le Michigan. David Wilkerson says, "Let me bring Tim." To church to preach. David Wilkerson dit, et si je prenais le pasteur Tim pour venir prêcher dans mon église? So Detroit goes to New York City. Donc Détroit vient jusqu'à New York. And then David Wilkerson's let me bring Pastor Claude from Montreal to New York City. Et David Wilkerson dit, tiens, et si j'ai emmené Pasteur Claude de Montréal jusqu'à New York? Because Tim prayed this, parce que Timothée a prié, bien joué. That I need Tim and Claude to meet in New York City. Alors il faut que je prenne Pasteur Claude et Pasteur Tim et que je les fasse se rencontrer tous
tous les deux then à New York. I need Montreal to invite Pastor Tim to preach there. Puis il faut que l'église de Montréal invite Pasteur Tim à venir and prêcher. While he's preaching in Montreal, et pendant que Pasteur Tim prêche à Montréal, I need to have a youth pastor interpret his message. Il faut que je trouve un pasteur de jeunesse pour l'interpréter. You know him as Pastor Christian. Vous le connaissez en tant que Pasteur so Christian. So Pastor Christian and I, who's your pastor, donc Pasteur Christian, votre pasteur et moi, he is interpreting my message in Montreal. On est à Montréal et Pasteur Christian interprète mon message en français. Then God needs to take Christian from Montreal to Paris. Puis Dieu doit prendre Pasteur Christian de Montréal et l'emmener jusqu'à and Paris. Then God needs to speak in Colorado to Gary Wilkerson. Puis Pasteur Dieu doit parler à Pasteur Gary Wilkerson qui est lui au Colorado. I think we should go to France in 2018. Et il lui fait se dire tiens, je pense qu'en 2018 faudrait qu'on aille en France. And usually I'd ask Pastor Claude since he speaks French. Et Pasteur Gary dit habituellement je demande à Pasteur Claude parce qu'il parle français. But he can't go this time. Mais cette fois-là, il peut pas venir. So let me ask Pastor Tim donc to je vais come demander à Pasteur Tim de venir avec moi. So I had to come over here. Donc il a fallu que je vienne jusqu'ici. Because this man parce que ce gars-là là asked one prayer a fait une toute petite prière. The, I just need a word from the Lord. Et il a dit j'ai besoin d'une parole de Dieu. God started in Pennsylvania. Dieu a commencé en Pennsylvanie. New York City. Il est passé par New York. Montreal. Montréal. Detroit. Détroit. France. France. And brings it all together. Et il a dû tout rejoindre. Because of you. À cause de toi. He just prayed one thing. God did 10,000. Lui, il a prié une chose, mais Dieu en a fait 10,000. That's the kind of God we serve. Ça, c'est le genre de Dieu que nous servons. God coordinated years. Dieu a coordonné des années tout entières. And while you're complaining, he's taking too long. Et pendant que vous êtes en train de vous plaindre, Dieu est à l'œuvre. He's not taking too long. Ça va peut-être prendre du temps. He's coordinating events. Mais il ne prend pas du temps. Il est en train de coordonner les choses. Think what God had to do because Tim prayed. Réalisez, imaginez tout ce que Dieu a dû faire à cause de la prière de Timothée. And all you had to do was ask. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est demander. And God says, I'll do 10,000 things on your behalf. Mais Dieu dit, je vais faire 10,000 choses pour répondre à ta prière. What's in between ask and receive? Ce qu'il y a entre demander et vous recevrez. There's a journey of maturity. C'est un voyage sur la maturité. That he's growing us. Il est en train de nous faire grandir. There's 10,000 things happening. Il y a 10,000 choses qui se passent. Can I tell you what my new prayer is? Est-ce que je peux vous dire c'est quoi ma nouvelle prière? Here's my new prayer when I ask God for something. Voici la nouvelle prière que je fais lorsque je demande quelque chose à Dieu. So if Tim is walking in and prays a prayer. Donc si Timothée vient à l'église et qu'il prie une prière. And God is doing his 10,000 things. Et que Dieu fait ces 10,000 choses dont on a parlé. I don't get frustrated anymore. Moi, je ne vais pas devenir frustré. Let me tell you what my new prayer is. Parce que voici ce que moi, je fais comme prière désormais. My new prayer is this. Ma nouvelle prière est la suivante. God, Dieu, grow me, fais-moi grandir. And do your 10,000 things. Et fais tes 10,000 choses. Let me teach it to you. Laissez-moi vous l'enseigner. God, grow me, Seigneur, fais-moi grandir. And do your 10,000 things. Et toi, fais tes 10,000 choses. Say the whole thing together. Répétons-le ensemble. Dieu, moi je fais ma prière et toi fais tes 10,000 choses. God, grow me. Seigneur, fais-moi grandir. And do your 10,000 things. Et fais tes 10,000 choses. What's in between ask and receive? Ce qu'il y a entre demander et vous recevrez. He's growing you. C'est qu'il vous fait grandir. C'est pas qu'il est incapable de répondre à votre prière. Mais il ne veut pas vous donner quelque chose que vous allez perdre. Parce que Dieu est un père. C'est un père. I have four children. Moi, j'ai 4 enfants. I'm not going to give them something that they're going to abuse. Je vais pas leur donner quelque chose dont ils vont abuser. Why would God give you a wife if you're going to abuse that? Pourquoi est-ce que Dieu te donnerait une femme si tu n'en prenais pas soin? Why would God give you your own company if you would forget him in the midst of it? Pourquoi est-ce que Dieu te donnerait une entreprise si c'était pour que tu oublies Dieu lorsque tu serais chef d'entreprise? Some people want to
Some people want to make millions of dollars. Il y a des gens qui veulent simplement faire des millions et des millions. But God says you haven't been faithful with the salary you have now. Mais Dieu leur dit, t'es même pas capable d'être fidèle avec le petit salaire que tu as maintenant. If I can't get you to be generous with what you're making now. Donc si tu n'es pas capable d'être généreux avec la petite somme que tu as maintenant, pourquoi est-ce que je te donnerai plus? It's a journey that He's taking us. C'est un voyage sur lequel Dieu nous emmène. God, grow me. Seigneur, fais-moi grandir. God, grow me. Seigneur, fais-moi grandir. And do your 10,000 things. Et fais tes 10,000 choses. I have the easy part, God. Moi, Seigneur, j'ai la partie la plus facile. All I have to do is ask. Tout ce que je dois faire, c'est te demander. And while I'm complaining. Et pendant que je suis en train de me plaindre. That you're so slow. En pensant que tu es tellement lent. I forgot. Moi-même, j'oublie. You're doing 10,000 things. Que tu es en train de faire 10,000 choses. For me. Pour moi. For my family. Pour ma famille. And I'm upset with you. Et moi, je suis en colère contre toi. God loves us. Dieu nous aime. Let me close with this. Laissez-moi terminer avec ça. I only know of one prayer. Je ne connais personnellement qu'une seule prière. I only know one prayer. Il n'y a qu'une seule prière que je connaisse. That gets answered immediately. Qui obtient une réponse immédiate. I only know one prayer. Il n'y en a qu'une seule. That I can promise you. Il y a une seule prière que je connais et dont je peux vous promettre. If you pray it, que si vous la priez, God answers it. Dieu y répondra immédiatement. Okay, Pastor Tim, what is it so I can pray it? Okay, vous êtes en train de me dire, okay, Pastor Tim, c'est laquelle parce que je veux la faire. If any man or woman, si un homme ou une femme, any young person in this place, si un jeune ici, regardless of your background, peu importe ton passé, regardless of your age, peu importe ton âge, says Jesus. Si une personne dit Jésus, save my life, sauve ma vie. The Bible says, la Bible dit, you will be saved, tu seras sauvé. You don't have to wait, tu n'as pas à attendre. You don't have to hope, tu n'as pas à espérer. You could be born again like that. Mais tu peux naître de nouveau en un instant. Every person, let me talk to you for a second. Ok, tout le monde, laissez-moi vous parler une dernière fois. Jesus died on the cross. Jésus est mort sur la croix. This is important. Et c'est très important, écoutez bien. Jesus died. Jésus est mort. Not so you can go to church. Pas pour que tu puisses aller à l'église. Jesus died so you could go to heaven. Mais Jésus est mort pour que tu puisses aller au paradis. Do you think Jesus suffered all that pain to get? Est-ce que vous pensez que Jésus a souffert tout ce qu'il a souffert? To get you to sit here for an hour and a half? Pour que vous puissiez simplement vous asseoir ici pendant une heure et demie à peu près? Do you think he came for 33 years of his life? Vous pensez qu'il a passé 33 années de sa vie terrestre? And he went finally there in church. Et qu'il se dit, oh super, ils sont enfin I've à l'église. I've been wanting them to sit in these red seats all my life. Tellement toute ma vie qu'ils puissent s'asseoir sur ces sièges rouges bien confortables. Jesus didn't die for you to go to church. Jésus n'est pas mort pour que tu ailles à l'église. He died for you to live forever with him. Mais il est mort pour que tu puisses vivre pour toujours. So here's the question. Et donc voici la question. How do I get to heaven? Comment est-ce que je vais au ciel, au paradis? When we landed at the airport here, lorsque nous avons atterri à l'aéroport ici, a car brought us to the hotel. Il y a une voiture qui nous a emmenés jusqu'à notre hôtel. This is my first time in France. Il faut que vous compreniez que c'est la première fois que je viens en France. I love it. J'aime ça. I love the people. J'aime les gens. I love your weather. J'aime la météo. I love your food. J'aime votre nourriture. I love this church. J'aime cette église. I love everything. J'aime tout. But it's my first time here. Mais c'est ma première fois ici. It would have been silly for me. Ce serait vraiment stupide de ma part. To tell the driver. De dire au conducteur. Hey, let me tell you how to get to the hotel. Hey, laissez-moi vous dire comment on va aller à l'hôtel. I had no idea where I was going. Parce que j'avais aucune idée de là où il fallait aller. Because I've never been there. Parce que je suis jamais venu ici. Okay, listen to me. Mais écoutez-moi bien. If there's anybody that knows the directions to his own home. S'il y a bien quelqu'un qui connaît le chemin pour aller à sa maison. It's Jesus. C'est Jésus. Jesus knows how to get to his home. Jésus sait comment aller chez lui. So if I was to ask you, donc si je devais vous demander à vous, what are the directions to Jesus's home? C'est quoi les directions qu'il faut prendre pour aller à la maison de Jésus? Let me tell you what some people say. Laissez-moi vous dire ce que certaines personnes diraient. I'm a Protestant. Moi, je suis protestant. I'm a Catholic. Moi, je suis catholique.
Some people will say, I have had communion. Il y en a certains qui diraient, ben moi je prends some la communion. Some people say, I was baptized in water. Il y en a qui diraient, ben moi j'étais baptisé d'eau. There are some people here that say, I'm a good person. Il y en a certains d'entre vous qui se disent certainement, moi je suis une bonne personne. I haven't hurt anybody. Moi j'ai jamais fait de mal à personne. How do you get to Jesus's home? La question c'est, comment est-ce qu'on va à la maison de Jésus? I go to church every Sunday. Il y en a qui disent, ben je vais à l'église tous les dimanches. I'm kind to people. Moi je suis gentil avec les gens. Look at me for a second. Et regardez-moi bien. Those are the directions that Jesus gave. Ça, ce ne sont pas les directions pour aller à la maison de Jésus. Remember, Jesus knows how to get to his own home. Rappelez-vous que Jésus sait comment rentrer chez lui. And here's the directions that Jesus said. Et voici les directions que Jésus a établies. In John 3:3. Dans Jean 3:3, Jesus says. Jésus a dit. Jesus who can't lie. Jésus qui ne peut pas mentir. Who does not lie. Qui ne sait pas mentir. Says these words. A prononcé ces mots. No man. Aucun homme, no woman, aucune femme can enter the kingdom of heaven ne peut entrer dans le royaume du ciel unless they're born again. S'ils ne sont pas nés de nouveau. Born again is not a Protestant word. Naître de nouveau, la nouvelle naissance, ce n'est pas un mot protestant. It's not a Catholic word. Ce n'est pas un mot catholique. Pastor Christian didn't make up the word born again. Pasteur Christian n'a pas inventé cette expression de nouvelle naissance. We didn't make it up. On ne l'a pas inventé. Born again is a Jesus word. Nouvelle naissance, c'est quelque chose dont Jésus lui-même a parlé. These are his directions. Et ça, ce sont ses directions à lui. Forever, pour toujours, or eternity, ou pour l'éternité, is too long, c'est trop loin, trop to long, be wrong. Pour être faux. So we gotta get this right. Donc il faut qu'on soit sûr d'être dans la vérité. Jesus says this. Et Jésus dit ceci. You were born once. Tu es né une fois. Everybody has a birth date. Tout here. Le monde a un anniversaire sur terre. And Jesus said, et Jésus dit. You need a second birth. Tu as besoin d'une deuxième naissance. Born again. Tu dois naître de nouveau. Jesus says, these are the directions to my home. Jésus dit, c'est ça la direction pour rentrer chez moi. Pastor Tim, how does that happen? Et vous vous dites, mais Pasteur Tim, comment est-ce que ça se passe? It's as simple as 1, 2, 3. C'est aussi simple que 1, 2, 3. What do I have to do, Pastor Tim? Vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire, Pasteur Tim? First, 1. I admit that I'm a sinner. J'admets que je suis un pécheur. Something is broken inside. J'admets qu'il y a quelque chose de cassé en moi, de brisé. I can't fix it with a promise. Je peux pas le réparer avec une promesse. I can't fix it with a priest or a pastor. Je peux pas le réparer avec un prêtre ou un pasteur. I can't fix it with a program. Je peux pas le réparer avec un programme. It's called sin. On appelle ça le péché. Sin, we were born in a broken condition. Nous sommes nés dans une condition brisée. We were born as sinners. Et nous sommes tous nés pécheurs. If you don't believe that, et si vous ne croyez pas ça, you've never had children. Alors c'est que vous n'avez jamais eu d'enfants. Because when your children are growing up, parce que lorsque vos enfants grandissent, as little cute babies, même si c'est des tout petits beaux bébés, I never had to teach my children how to lie. Je n'ai jamais dû apprendre à mes enfants à mentir. I never had to teach them how to be selfish. J'ai jamais dû leur apprendre à être égoïste. Why did they know how to lie? Comment est-ce qu'ils ont su comment mentir? Because there's a sin issue that needs to be dealt with. Parce qu'il y a un problème de péché qu'il faut traiter à l'intérieur du cœur de l'homme. So first is admitting I'm a sinner. Donc un, c'est admettre que je suis un pécheur. Number two, numéro 2, it's believing that Jesus fixes the sin problem. C'est croire que Jésus est capable de régler ce problème de péché. If you could fix yourself, si vous pouviez vous réparer vous-même, listen to this, écoutez bien. Why would Jesus have to suffer what he did? Pourquoi est-ce que Jésus aurait dû souffrir tout ce qu'il a souffert? If you could fix you, si vous étiez capable de vous réparer vous-même, it would be the worst case of child abuse. Ce serait le pire des cas d'abus d'enfants in human history. Dans l'histoire du monde. God would send his son, Dieu enverrait son enfant, son fils, beaten and hung on a cross, afin qu'il soit battu, pendu à une croix. To everyone in this church, et il dirait à tout le monde dans l'église, you fix yourself. Tu peux te réparer toi-même. You do better. Tu peux faire mieux. We can't do it without Jesus. Mais on ne peut pas le faire sans Jésus. Jesus fixes us from the inside out. Jésus nous répare de l'intérieur. We need to be forgiven of our sin. Il faut que l'on soit pardonné de nos péchés. Not just do better. Il ne faut pas simplement qu'on fasse mieux. Sin needs to be forgiven. Mais il faut que le péché soit pardonné and dans notre cœur. Died on the cross so that sin could be et forgiven. Jésus est mort sur la croix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. And number three, et numéro 3, it's confessing him as Lord. C'est le confesser comme Seigneur. The word Lord means you're the boss now. Le mot Seigneur, ça veut dire t'es le boss, t'es le patron. You're in charge. C'est toi qui t'occupes de tout. I'm a sinner.
Moi, je suis un pécheur. I need you to forgive me. J'ai besoin que tu me pardonnes. You are the boss. Et c'est toi le patron. I'm not inviting you to be a Protestant or a Catholic. Je ne vous invite pas à devenir un catholique ou un protestant. I'm not inviting you to be a member of this church. Je ne vous invite pas à devenir un membre de cette église. I'm inviting you to go to heaven today. Mais je vous invite à aller au paradis. I'm inviting you to have a second birth date. Je vous invite à avoir une deuxième date de naissance. Today you can be born again. Parce que aujourd'hui tu peux naître de nouveau. That prayer can be answered right now. Cette prière peut avoir une réponse immédiate. J'aimerais que tout le monde dans ce lieu incline sa tête quelques instants. Every eye closed. Tout le monde, que tout le monde ferme les yeux. If you're here right now, et si vous êtes ici aujourd'hui, I'm not gonna make you stand. Je ne vais pas vous demander de vous lever. I'm not gonna make you walk to the front of the church. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant. But I am gonna ask you to do this. Mais je vais vous demander une chose. If you're here right now, si vous êtes ici maintenant and say, Pastor Tim, et que vous dites Pasteur Tim, I didn't know the right directions to God's house. Je ne connaissais pas les bonnes directions pour aller chez Jésus. I made up my own directions. Moi, je me suis fait mes propres directions. Or I heard someone tell me the directions. Ou j'ai entendu quelqu'un me parler d'autres directions. But today, I'm going to listen to Jesus's directions. Mais aujourd'hui, je décide d'écouter les directions de Jésus. Pastor Tim, when you pray that born again prayer, Pastor Tim, lorsque vous avez prié cette prière de nouvelle naissance, I want you to include me in that prayer. Je veux que vous puissiez m'inclure dans cette prière. I want today to be my second birthday. Parce que aujourd'hui, je veux que ce soit mon deuxième anniversaire. I'm going to ask you to do just one thing. Je vais vous demander de faire une chose, une seule chose. If you say, put me in that born again prayer. Si vous voulez être membre de cette prière de nouvelle naissance, I want to be born again. Si vous voulez naître de nouveau, the directions to God's house, les directions pour la maison de Dieu, is where I want to go. C'est là où je veux aller. If you want to be born again today, si vous voulez naître de nouveau aujourd'hui, I want you to hold up your hand right now. J'aimerais que vous puissiez lever votre main à votre place. Just hold it up high. Hold them up high. I want to make sure I see every hand that's up in the balcony. Keep them up high. Levez-la bien haut. Levez-la bien haut. Okay, même keep les them gens up du balcon, so I can see them. There's one. Levez-la bien haut pour que je la voie. 3, 4, 5, 6, 7. Keep them up. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 59, 70, 71, 72, 73. Hallelujah. J'aimerais vous demander de vous lever tous à votre place, and s'il vous plaît. We are all going to pray this prayer together. Et on va tous prier cette prière ensemble. Everyone in this theater, j'aimerais que tout le monde ici dans ce lieu, before Pastor Christian comes, avant que Pasteur Christian prenne le relais, I say this from what the Bible says. Je dis cela parce que c'est la Bible qui le dit. It's the one prayer. C'est la seule prière that God answers immediately. À laquelle Dieu répond immédiatement, today, instantanément. Today you can know you're going to heaven. Aujourd'hui, tu peux savoir et être sûr que tu vas au ciel. We're going to say this prayer together. On va dire et vous allez répéter cette prière. Dear Lord Jesus. Seigneur Jésus. I believe. Je crois. You are the Son of God. Que tu es le Fils de Dieu. I believe. Je crois. That on the cross. Que sur la croix. You took my sin. Tu as pris mon péché. My shame, ma honte, my guilt, ma culpabilité, and died for me. Et que tu es mort pour moi. You faced hell for me. Tu as fait face à l'enfer pour moi. So I wouldn't have to go. Afin que je n'aie pas à y aller. You rose from the dead. Tu es ressuscité des morts. To give me a place in heaven. Pour me donner une place au ciel. A purpose on earth. Un objectif sur terre. And a relationship with your father. Et une relation avec ton père. Today, Lord Jesus. Aujourd'hui, Seigneur Jésus. I turn from my sin. Je me détourne de mon péché. To be born again. Pour naître de nouveau. God is my father. Dieu est mon père. Jesus is my savior. Jésus est mon sauveur. The Holy Spirit is my helper. Le Saint-Esprit est mon aide. And heaven is my home.
Et le paradis, c'est ma maison. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 On lui chante sa grâce. On le remercie pour sa grâce. Whoa.